elle lève les bras au ciel et lance un appel en orque, ponctué d'un claquement de langue et d'une succion de lèvres. Un gros corbeau, au bec tellement rocailleux qu'on le croirait de pierre, vient alors se poser sur son avant-bras. Elle lui caresse le crâne et lui chuchote des instructions. D'un geste, elle le libère. Il prend son envol, puis disparaît derrière une nappe de volutes cotonneux. Avant de redescendre de la butte, elle défie le marais, comme si elle s'adressait à un ennemi invisible. « À nous deux, Tamate !»